Aujourd'hui, je vais vous présenter deux collections de papier qui sont arrivées dans la boutique Scrap Merveilleux. En fait, ce sont des blocs papier bébé, filles et garçons que vous connaissiez sous la marque Laser of Love. Maintenant, eh bien, ça a changé. La marque, c'est Lexi Design. C'est noté ici, mais dans le rayon de la boutique, dans les papiers, j'ai quand même laissé les deux noms, Lazerov et Lexi Design, pour que vous puissiez les retrouver facilement. Donc, ils ont changé la formule. Au lieu de 6 pages, nous avons 11 doubles pages. Donc, je vais les découvrir avec vous, parce que je les ai juste ouverts et je ne les ai pas encore visionnés. Donc, ça va être la découverte avec vous. Donc, je vois déjà qu'il y a pas mal de jolis fonds. Et là, plutôt des pages avec des motifs. Donc, à l'arrière de la couverture, on a des embellissements. Donc, deux jolis tags, des petits jouets, des poupées, des chiffres pour noter les mois, les anniversaires. Voilà. Là, on a cette page. Je crois que, si mes souvenirs sont bons, elle existait déjà dans l'ancienne version. De belles étiquettes. Donc, c'est très vintage. Un motif tapisserie, très fin. Ici, on a les petits jouets, donc le lapin en peluche, l'ourson, l'éléphant, le cheval à bascule. Et donc, tout ça dans des fonds vieux rose, vraiment vieux rose. Et puis, couleur sépia. Donc, c'est vraiment le bloc vintage. Ici, on a une petite bordure de cœur en haut. Et en bas, on a le landau ainsi que les jouets. À l'arrière, c'est très mignon. On a une couleur un peu top, sable, avec des petits cœurs dans les vieux roses. Alors, vieux rose qui tire un peu sur le pourpre. Donc là, on a une jolie bordure, des petits pois, du plumetis, de la dentelle. C'est très joli. Alors, des fonds assez légers, donc ça c'est bien, c'est pas trop chargé, donc c'est intéressant pour travailler. Si on va pas utiliser les motifs à l'arrière, on a des fonds très doux, c'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup cette nouvelle version, puis le fait qu'il y ait 11 pages, ça vous permet de faire vraiment de gros albums au lieu de prendre deux blocs ou trois blocs de 6 pages. Là déjà avec un bloc de 11, je pense que vous avez de quoi faire. Après, il y a pas mal d'embellissements. Donc ça change par rapport à l'ancienne version. Les petites poupées en chiffon ici. Des enfants qui jouent avec un chat, qui caressent un chat. Des câlins avec le nounours. Une petite fille. Et si vous ne voulez pas utiliser tous ces motifs, eh bien vous avez les arrières avec des fonds super jolis. Ah, ça c'est mignon aussi, ça y était pas, je pense que c'est une nouveauté. Donc en plus des motifs ici avec des petits biberons, cheval à bascule, landau, layette, on a ce petit motif baby girl, c'est très joli. Et à l'arrière, une dentelle avec un plumetis. Ici, des petits croisillons avec des cœurs au milieu. Toujours une petite bordure de motifs en haut en bas. Et ici, un fond avec des étoiles. N'oubliez pas d'associer aussi les dies avec les étoiles. C'est sympa aussi. Vous avez le grand motif de l'étoile qui vous permet aussi de faire des rabats en forme d'étoile. Ça peut être très sympa, ou des shakers aussi. Encore une page avec beaucoup d'embellissements. Des rayures à l'arrière. Ici, un joli motif de tapisserie, vieux rose, comme on les aime, avec en bas la couleur top qui est reprise, et des petits pois. Des étoiles, un cerf-volant, et des enfants prêts à partir avec la valise, et puis le doudou. À l'arrière, ben oui, c'est la tapisserie. Donc ça, c'est la dernière page. Donc ça, c'est le bloc fille. Donc avec, je vous ai sélectionné du cardstock rose poudré. C'est pas le rose bébé, hein. Il n'est pas rose bonbon. Il est vraiment poudré. Donc ça va très bien avec. Et si vous voulez faire une couverture contrastée un petit peu, eh bien vous avez la couverture de chez Craft O'Clock, celle-ci, qui va avec la collection Plume et Chocolate.
Plume & Chocolate, du coup avec les mêmes teintes exactement, et bien la couverture, ça peut vous faire un fond intéressant si vous mettez un motif, par exemple, sur votre couverture. Alors, qu'est-ce que vous pourriez prendre? Un motif comme ceci, par exemple, avec les petits enfants, les petits jouets dans le coin. Eh bien, on est dans des tons qui vont super bien avec pour la couverture. Donc, voilà pour ce bloc-là. Je vous retrouve dans 2 minutes pour découvrir le bloc garçon.